Germinal Perrault, président du conseil départemental de la Dordogne, et Philippe Dort, conseiller régional de la Nouvelle-Aquitaine, ont dévoilé avec émotion la plaque mettant à l'honneur les inventeurs de la grotte de Lascaux. En présence de Simon Coincas, l'un des jeunes qui, le 12 septembre 1940, ont découvert ce joyau de l'humanité. La réussite de Lascaux, c'est la magie de l'intelligence des hommes qui nous ont précédés il y a 20 000 ans et qui ont réussi à peindre ça avec une sensibilité et des techniques qui correspondent tout à fait à la vie d'aujourd'hui. Les gens qui ont peint ça il y a 20 000 ans, ils étaient largement aussi intelligents que vous et moi et que nous-mêmes aujourd'hui. Travail avec une marque aussi identitaire que celle de Lascaux, investissement à tous les instants. On travaille bien sûr au niveau national avec ces marques de Lascaux 4. On travaille aussi à l'international aujourd'hui avec Lascaux 3, l'exposition internationale. On a un besoin de partage. Cette magnifique œuvre, on doit la partager avec le plus grand nombre et c'est une mission qui aujourd'hui m'est dévouée et que j'essaie de remplir 7 jours sur 7 le plus longtemps possible. Lascaux est un chef-d'œuvre de l'art pariétal classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc nous avions le devoir moral de pouvoir faire en sorte que le grand public, le plus large possible et venant de partout, qui n'est pas simplement un public français mais international, puisse continuer à avoir accès à ce chef-d'œuvre de l'humanité au travers d'un fac-similé qui utilise les meilleures technologies. Lorsqu'il a été décidé de cofinancer à égalité avec le département de la Dordogne l'exposition itinérante Lascaux 3, et bien d'envoyer une sorte de satellite de Lascaux 4 dans le monde entier pour faire connaître d'abord ce chef-d'œuvre de l'humanité qui ne pourra pas être visité in situ par le monde entier. Donc on va au monde. Nous sommes allés aux États-Unis, à Chicago, à Houston, à Montréal au Canada, puis Paris, puis Bruxelles, puis Genève, ensuite Séoul, en Corée, le Japon, Tokyo, Fukuoka, et actuellement l'exposition est à Shanghai. La découverte de Lascaux, on pourrait dire, a lancé l'activité du tourisme en Dordogne. On est passé de 270 000 en 2016 à 500 000 visiteurs en 2017 pour Lascaux 4. Mais si je rajoute les 50 000 qui ont continué à aller à Lascaux 2, on est à 550 000. En participant au financement de Lascaux 4 à hauteur de quasiment 17 millions d'euros, ce qui est quand même un très gros investissement pour nos collectivités, ça a été de vouloir participer au développement économique de la Dordogne, mais aussi de la Nouvelle-Aquitaine. 500 000 visiteurs, c'est de l'hôtellerie, c'est de la restauration, mais c'est aussi des personnels qui travaillent à l'année. 70 personnes travaillent à l'année sur ce site, 120 à 150 personnes travaillent sur ce site en période de crête touristique. On oublie que la marque Lascaux elle-même représente plus de 600 000 visiteurs avec Lascaux 2 et le TOT. Donc la marque Lascaux, cette trace de l'humanité aujourd'hui la plus reconnue au monde, est en train de laisser une belle trace ici à Montignac. Et nous espérons qu'il y aura un retour ici en Dordogne et ici en Nouvelle-Aquitaine pour venir découvrir cette formidable œuvre de l'humanité.